Bonjour à tous, c'est Fanny, nous sommes jeudi et vous regardez Webspotting. Bienvenue. Plus de lecture de DVD dans Windows 8. Les développeurs de Microsoft qui travaillent actuellement sur Windows 8 viennent d'annoncer quelque chose de bien étrange. Comme à l'époque avec Windows 7 Starter Edition où il était impossible de changer son fond d'écran, avec Windows 8 il ne sera pas possible dans certaines versions de bénéficier du Media Center et par conséquent impossible de lire des films en DVD. La firme de Redmond a pris cette décision en toute conscience en expliquant que la télévision et la lecture de films via un PC étaient en net déclin. Toutefois, ce choix n'est pas bien vu par les consommateurs de produits Microsoft. Mais rassurez-vous, pour profiter du Media Center sous Windows, Microsoft proposera moyennant finance un package contenant le bon logiciel et les bons codecs pour lire vos films préférés. Et pour ceux qui ne voudront pas payer, sachez qu'en installant n'importe quel autre logiciel comme VLC ou Media Player classique, vous pourrez bien évidemment lire vos DVD. Pas de blocage à proprement parler, donc ouf! Le DARPA, c'est-à-dire l'agence américaine chargée des projets de recherche militaire, vient d'annoncer qu'il prévoyait de créer des nanopuces électroniques pour surveiller à distance l'état de santé des soldats sur le champ de bataille. Ces capteurs électroniques permettront de détecter rapidement, voire d'anticiper, les maladies et les blessures qui sont les deux plus grandes causes d'évacuation médicale des troupes. Une bonne idée ? Pas si sûr pour les opposants à ce système, qui y voient là une façon déguisée et progressive de faire accepter aux citoyens lambda le port de puces électroniques. Au départ, celle-ci pourrait rendre un service intéressant par rapport à la santé, par exemple. Mais finalement, elle pourrait ensuite être utilisée pour nous suivre dans nos déplacements et épier le moindre de nos gestes. Méfiance, donc. Les inconnus. Les Anonymous ont de la concurrence. Un nouveau groupe de hackers mettant en avant, je cite, sa ruse et sa sagesse en matière de sécurité, vient de frapper fort en attaquant plusieurs organisations comme la NASA, l'US Air Force, l'Agence spatiale européenne, le ministère de la Défense français et même Renault. Non, pas le chanteur, bien sûr. Leur nom ? Les Unknown. Original, non ? Ils n'ont aucune revendication politique et même s'ils ont publié quelques documents confidentiels, d'après eux, leur seul but est de sensibiliser à la sécurité informatique ces organisations. Ils ont même proposé leurs services, moyennant finances, afin de les aider à sécuriser leurs serveurs. Autant dire que le FBI risque rapidement de se mettre sur leurs traces et de les arrêter, comme ils ont pu le faire avec le LSEC. La backdoor du FBI. Le FBI, encore eux, ne manque pas d'idées. Ils cherchent actuellement un moyen juridique pour forcer des sociétés comme Microsoft, Facebook, Yahoo ou Google à leur laisser un accès libre dans leur site pour procéder à des écoutes ou de la surveillance. Si une proposition comme celle-ci est adoptée dans la loi, les réseaux sociaux seront les premiers visés, suivis des logiciels de voix sur IP comme Skype. N'importe quelle conversation pourra alors être écoutée à n'importe quel moment par les forces de l'ordre américaines. Les sociétés citées ne se sont pas encore exprimées sur le sujet, mais ce qui est sûr, c'est qu'un tel projet est dangereux pour la vie privée, sans compter l'ingérence du FBI dans des profils ou des conversations de personnes ne résidant pas aux États-Unis. Bref, ça ne s'arrange pas. Facebook en boîte. Au Royaume-Uni, certaines boîtes de nuit se sont mises tout récemment à vérifier les comptes Facebook des fêtards les plus jeunes avant de les laisser entrer. C'est arrivé à plusieurs jeunes Anglais qui ont dû montrer leur téléphone portable et leur compte Facebook au videur afin de prouver que le nom sur leur carte d'identité était bien le leur. Si un établissement laisse un mineur entrer à l'intérieur, il risque de gros ennuis. Et malheureusement, la carte d'identité seule ne semble plus être une preuve d'âge suffisamment fiable. Évidemment, d'un point de vue sécurité, ce genre de contrôle Facebook est tout à fait ridicule, puisque n'importe qui pourrait se créer un faux profil ayant le même nom que celui présent sur une fausse carte d'identité. Mais c'est aussi et surtout une sorte d'intrusion dans la vie privée de la personne contrôlée. Pour le moment, ce genre de contrôles sont assez rares, mais les associations de défense de la vie privée sont déjà sur le pied de guerre pour informer sur ce genre de pratiques abusives. Bueno, Webspotting se termina por hoy día. Nos pueden volver a ver la semana próxima y yo les deseo una bonita semana. Ciao!